Bonjour, Frère Maxime, comment nous? C'est JFL Cuisine Créole, Jean-Fédé Lundi, votre chef à la maison qui rentre dans la caille nous. Moi dis nous merci pour confiance nous, merci pour fidélité nous et merci pour bouche à l'oreille qui nous fait pour nous. Je dis à là, ça fait 2 ans depuis que chaîne YouTube moi existait. Ça fait au moins 210 à 220 vidéos que j'ai déjà publié. Mais parmi les vidéos ça, parfois, Canada moi dis nous qu'à commercialiser recette ça. La banne en pile l'argent. Mais sambli, m'poukou faire avec nous tout, m'poukou jamais faire avec nous comment nous sommes capables de partir une entreprise. Et m'connais gen pile dans nous-mêmes, qui sur moi en Haïti, qui déjà fait cours de cuisine soit à l'école OTDA ou bien dans l'école privée. Et moi connais aussi, yo pas montré nous faire cours de gestion, comment nous capables de gérer un restaurant. On va commencer à la base avec nous. Pour me dire nous, qui ça nous doit faire. Les nous pour faire une entreprise, nous besoin d'un bagage, il y aurait les plans d'affaires. Un plan d'affaires, c'est quoi? C'est gagner une idée dans la tête nous, à idée ça nous gagne pour nous transformer sous papier. Lorsque nous pour transformer sous papier, nous supposer clair et précis. Clair dans moi besoin 100 000 gourdes pour me réaliser. Yon restaurant précis, mais qui côté m'a fait et mais qui côté m'vle arriver avec. L'origine projet à tout. L'origine projet à c'est très important. Qui côté l'idée projet ça né dans tête tout. Est-ce que c'est pendant tu as acheté un côté ou bien c'est parce que pendant tu attend des JFL et pour tout envie font restaurant de la sorte. Est-ce que c'est depuis d'autre l'école ou tu as envie de faire mon pot de jambe qu'à faire. Tout ça aussi des choses où tu dois rentrer dans le plan d'affaires. D'ailleurs, l'origine projet, c'est lui-même qui va le motiver. Voilà pourquoi que l'origine est très important pour mettre le plan d'affaires. Lorsque une entreprise est née, il y a 3 raisons qui font prendre naissance. Ou bien il est capable de baser sur 3 raisons pour prendre naissance. On nous dit comme ça. Première raison qui est basée pour prendre naissance là, c'est une raison historique. Par exemple, maman te gon boutique là, chaque soir te gon font bouillon devant là, bouillon en vente en pile, et que après deuxième temps pas gagné encore, mon a venu demander pas gagné encore, ou gen doit dire bon, qu'on y a moi-même bon, maman te gon fait bouillon le matin, le soir, bouillon elle fait au moment elle fini, bon qu'on a fait plus bouillon. Maman te kon fè bouillon seulement le soir, mais la journée, ma pisse, ouais, est-ce que m'a pas fait d'autres choses encore? En un mot, ou il agit comme cela. Ça, c'est l'aspect historique là. T'as qu'en en Haïti, nous connaissons des mondes depuis nos petits mondes. C'est eux-mêmes qui toujours là, nous tendent non, c'est non, répéter, m'a pas besoin de répéter, non, hein. Ça, c'est une série de business historique. Ça veut dire, moun sa ou, plan d'affaires toujours basé sur historique. Ah, papa m'te gen. Yon magasin nan mi tan ke la vide la qu'on a mal mette yon tel côté. OK? Après ça qu'on l'autre aspect encore. L'autre aspect ça lui-même, c'est ça ou ta rele l'opportunité. L'opportunité a yon entreprise comme ça bam dou ki jan dit. Semaine qui s'est passé ou là, t'es gon problème gaz en Haïti. Gen un monsieur, on est qui gen pile l'argent. Yo gen contact, yo met l'argent dehors, yo acheté 80 doum gaz. Yo mette nan ti coin, yo tombe vanni, là moun nan tombe fait l'argent sous place. Il fait l'argent tout de suite. Ça, c'est l'opportunité. Une fois que gaz a venu retourner à la normale, mon ça pas une entreprise là encore. Ça, c'est une entreprise, l'opportunité. Qu'on a nous-mêmes, nous pouvons baser nous sur le troisième axe, la troisième raison qui pourrait faire nous partir, plan à faire nous-mêmes. Aspect qui intéresse moi-même à voilà, à nous prendre le cheminement, compétences ou expériences. Lorsque nous parlons des compétences ici, nous parlons des sorts étudiés ou étudier la cuisine. Là, nous prenons expérience au travail dans la cuisine. Cheminement, qui sort fait, qui englobe cuisine moi. Par exemple, moi-même, moi fais cuisine, moi fais pâtisserie, moi fais boucherie et moi fais cuisine actualisée. Plus, moi travaille dans les grands hôtels et dans les grands restaurants. Donc, ça, c'est cheminement, compétence et expérience. Tout ça, il faut mettre clé, mettre dans le plan d'affaires.
qui ça fait ou pas le parler dans le plan d'affaires, ça, ça m'a dit. Ou supposé yon bon leader, yon leader de gagnant. Si toutefois ou son leader de gagnant, ou a reconnaître ou supposé gagnant équipe tout autour de ou même. Ou doué capable bien administrer. Exemple, lorsque nous parlons administrer ici, moi pas mando pour aller faire un cours en administration à l'université. Moi mando pour bien qu'on administre. Par exemple, là nous prend maman nous yo, papa nous yo, dans l'ancien temps yo. Yo a vendu petit charbon, yo gagne 6 7 8 petites, yo voye ti moun dans l'école, ti moun dans l'université, ti moun dans réussi et journée jodi a c'est ti moun sa ou qui avocat, ingénieur et policier en Haïti. Moun sa yo, c'était moun qui était une série de administrateurs, une série de gestionnaires innés. Ils n'ont pas fait de l'argent, mais avec ça, ils ont pris soin de la famille. Ou supposé qu'il y ait un groupe moun de confiance avec vous. Une série de moun solide. Pour qu'il y ait un monde de confiance avec vous, ou pas supposé qu'il y ait 5 cap faire un business pour moun n'a pas un salaire. Si toutefois, vous arrivez, mettez un bon équipe campée ensemble avant, ou a bien une entreprise qui va marcher sous succès en succès. Même si chaque monde mettait montant d'argent est là pour nous bâtir entreprise. Mais le monde en fin mettait l'argent pour lui bâtir entreprise, si la travaille dans l'entreprise, lui supposer qu'il y a un salaire, supposer qu'il y a un cadre légal, ça lui doit inclure dans le plan d'affaires, nous, comment nous allons faire pour nous mettre nous en équipe. Quand on a là l'offre établie toute genre de bagages ça yo qu'on aura choisi quelle sorte d'entreprise qu'on va le faire. Dans le cas moi même avant nous étant connaissé un restaurant on va le faire. Quand on a là l'offre de faire restaurant qu'on a faut capable diviser le restaurant quelle sorte de restaurant on besoin faire. Est-ce qu'on besoin faire un restaurant normal restaurant chic que mon yo a venir manger pan zo à koden ou bien on veut faire un fast food. Un fast-food ou tu vas considérer comme dans la pizza. Et puis avec poulet frit et puis frites, ça nous des pommes de terre là. Si nous t'apprenons un petit casse-croûte en Haïti, l'équivalence casse-croûte là c'est lui même nous t'arrêter machin fritaille là. Est-ce qu'on veut faire un petit fritaille bien vite pour le vendre ou bien est-ce que ou pas le concentrer sur un buffet. Buffet c'est lui même on rentre venir manger à volonté. Ça, c'est la première partie moi, ben, nous, pour montrer nous qui ça qui est dans le plan d'affaires. Là, nous avons réfléchi sur ça, qui ça nous a fait. Et à ce moment-là, moi-même, je vais retourner à nos chiffres. Je vais montrer nous comment nous sommes capables de faire dépenses, achats, lignes, comment pour nous rentrer salaire propre nous-mêmes qui travaillons là, comment les nous faisons une recette qui nous doit vendre, qui nous bénéficie. Il y aurait des affiches techniques. C'était JFL Cuisine Créole, Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison, qui a préparé une rubrique des 7 pour nous, plan d'affaires pour la restauration. Merci.